grande première pour moi, première exposition à Pop Art. Merci à eux de m'accueillir. Je crois que c'est eux qui m'ont donné l'envie d'exposer, parce que jusqu'alors, je ne me sentais pas à la hauteur. J'avais tout un tas de raisons pour ne pas exposer. Et là, je me sens en confiance et voilà, première. Donc, mon parcours, je crois que depuis toute petite, j'ai aimé dessiner. La peinture est venue beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. J'ai toujours un peu gribouillé, comme on disait. Et la peinture, ça fait plusieurs années. J'ai commencé par l'aquarelle. Et puis après, je me suis mis à l'acrylique. L'acrylique qui, pour moi, est une façon de m'exprimer de façon beaucoup plus spontanée qu'avec l'aquarelle, pour moi. Parce que l'aquarelle me fait un peu peur. Et voilà. Et là, ça fait très peu de temps que je me suis, disons, libérée. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais des codes, des cadres, enfin, une grande peur, quoi. Donc, c'était très figé. Et puis, tout d'un coup, il y a 6 mois ou 7 mois, je ne sais pas, un déclic, libération. Et là, une explosion de couleurs. J'adore les couleurs. Je suis inspirée par Matisse, beaucoup. Et voilà. Voilà, que dire d'autre, ben, je ne sais pas trop. Mes techniques, il y a de l'acrylique, il y a du fusain, il y a du pastel sec, c'est au gré de mon inspiration. Donc voilà. Mais ce qui me détermine le plus, c'est les couleurs, les formes, et voilà.